Hello tout le monde! Donc d'un coup je voulais revenir vu qu'on est le 1er mars quand même. C'est un jour assez important pour nous mais surtout pour mon chat en fait. Je voulais revenir sur les 1 an de mon chat. Voilà. Il vient de fêter ses 1 an aujourd'hui, pile poil, il a 1 an. Pour l'occasion il va aller chez la toiletteuse. Ça lui fera du bien. Donc dans le coup, oui, je voulais revenir dessus, bah voilà, vous dire un peu tout ce qui s'était passé pendant ces 1 an. Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Et donc voilà, donc déjà il faut savoir qu'avant de rencontrer Nuage, je suis phobique d'un peu tous les animaux. Les pigeons, alors ça c'est toujours, hein, je ne peux toujours pas supporter un pigeon. J'ai peur des pigeons, j'ai peur des chiens, donc j'en ai moins peur aujourd'hui, franchement. D'ailleurs, je me suis surpris à caresser un husky dans la rue quand même. Et j'ai peur des chats. Et avant de rencontrer Nuage, si je croisais un chat, je ne pouvais pas rester sur le même trottoir que ce chat. Et puis bon, bah, en fait, j'ai été. Bon, c'est un peu personnel, mais. J'ai été placée en foyer de l'ASE, donc aide sociale à l'enfance, pendant quelques mois, parce que ni ma mère ni mon père n'ont été jugés capables de s'occuper en bien de moi. Et puis bah, j'ai eu ma majorité, on a refusé mon contrat jeune majeur, donc j'ai été vivre chez mes grands-parents, et après, pendant les vacances, j'en ai profité pour aller voir ma mère, parce que ça faisait très longtemps, ça faisait 7 ans qu'on ne s'était pas vu. Donc j'en ai profité pour aller la voir et passer des vacances chez elle. J'ai passé 2 mois chez ma mère. Okay. Donc j'ai passé 2 mois chez ma mère. Et elle voulait me présenter des amis à elle. Je ne citerai pas les noms, mais bon. Et donc elle m'emmène et puis arrivée chez eux, elle me prévient avant que j'entre que cette dame a 20 chats. Oui, vous m'avez bien entendu, 20 chats. Comment vous dire que moi qui ai déjà peur d'un seul chat, 20 dans la même pièce, ça allait pas être possible quoi. Non, 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 non. Bon bah c'est trop tard, hein. J'étais là, donc bon bah j'entre. Et à peine rentrée, il y a un petit asticot là, comme ça, qui rampait jusqu'à moi. Et puis bon, bah voilà quoi, un petit chat c'est mignon, un chaton c'est toujours mignon. Donc je l'ai ramassé, je l'ai pris dans les bras, et il s'est endormi direct. Voilà. Et pendant tout le temps où j'ai été chez cette amie à ma mère, le chat est resté dans mes bras à dormir, et puis à la fin, bah, j'ai dit à cette dame que si ce chaton-là, parce qu'elle les donne, si ce chaton-là n'était pas réservé, je le prenais. Donc elle m'a dit ok. Et juste qu'il fallait que j'attende 1 mois et demi, enfin quelques semaines quoi, pour qu'il soit sevré. Alors effectivement, elle a attendu qu'il soit sevré, mais le problème c'est qu'elle n'a pas attendu qu'il soit socialisé. Par la suite, nous avons donc eu de gros problèmes avec Nuage. Car je l'ai appelé comme ça. Nuage. Donc en fait, ma mère a récupéré Nuage pour moi parce qu'on n'habite pas tout à fait au même endroit. J'habite à Paris, elle habite en Charente. Donc forcément, elle l'a récupéré pour moi à 1 mois et demi et 2 semaines, 3 semaines plus tard, 2 mois et 1 semaine, j'ai été chercher mon chat. Comment vous dire? Nuage ne voulait absolument pas venir avec moi déjà. Donc là, j'ai eu un peu les boules. Oui, c'est le cas de le dire. Finalement, tout s'est bien passé. C'était la première fois qu'il voyageait en voiture parce que je prends BlaBlaCar. Donc, c'était la première fois qu'il voyageait en voiture aussi longtemps parce que c'est 5 heures quand même de voiture. Il l'a très bien supporté. Il a été ultra sage. J'ai eu zéro problème. Ensuite, il a pris le RER. 30 minutes de RER. Zéro problème, il a dormi. Il a été totalement décalé. Il mangeait, enfin, il mangeait quand même à des heures régulières. Alors là, il n'a pas mangé de la journée, il a mangé que le soir. Et comme c'était une nouvelle maison, en plus, il était un peu perturbé, donc il n'osait pas trop manger. Pour être sûr de gagner un peu en gratitude, je lui avais laissé ses croquettes, mais comme il ne les mangeait pas, je m'étais dit que le soir, j'allais lui donner donc sa pâtée.
qu'il avait l'habitude de prendre parce que je savais non plus, je voulais pas le décaler. Donc il avait les mêmes croquettes, la même pâtée qu'avant. Et puis voilà, enfin bon. L'adaptation s'est très bien faite. Il a été super heureux. Quand mon compagnon est venu nous rejoindre un peu après, parce qu'au début on n'habitait pas ensemble, maintenant il vit avec nous. Au début on n'habitait pas ensemble, donc d'un coup, quand il est venu vivre avec nous, mon chat, même pas perturbé quoi. Je veux dire, voilà, il lui a fait sa place, normal. Ils se sont acceptés tous les deux. Alors il faut savoir que la portée de la maman de Nuage, elle avait eu 6 chatons. Et sur les 6, il n'y avait que Nuage qui restait de vivant en fait. Les autres n'ont pas survécu. Ils ne mangeaient pas. Alors mon chat mangeait, donc bon. Mais bon, je l'ai emmené quand même au véto faire un bilan. Et en même temps, je voulais qu'il fasse ses vaccins. Donc j'emmène au véto. Et là, elle me dit, mais moi je suis tombée des nues parce que je ne pensais pas. Elle me dit que mon chat a une inflammation à l'estomac, qu'il faut absolument qu'on change les croquettes. Bon, j'ai changé les croquettes, donc effectivement, Frouskies à bannir. Elle voulait que je prenne des Purina Pro Plan, c'est beaucoup trop cher pour moi, franchement. Et donc, d'un coup, je lui ai pris des Purina One. Ça lui va très bien d'ailleurs, donc voilà. Et tout de suite après, il m'a fait une diarrhée pas possible, qui a duré 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai été voir le véto, elle lui donne un médicament, ça n'a pas marché. Donc au bout d'une semaine, je retourne la voir en lui disant qu'il ne marche pas, que je commence à m'inquiéter. Elle le pèse, il n'a pas perdu de poids, heureusement. Et elle me donne un autre médicament en me disant attention, ça peut le constiper. Ouais, bah non. Donc dans le coup, j'ai pas pris ce, je lui ai pas donné ce médicament-là. Je l'ai pris quand même, mais je lui ai pas donné. Et je me suis dit que j'allais essayer d'arrêter la pâtée. Eh ben oui, c'était la pâtée le problème. Donc voilà, faut pas être veto pour comprendre, voilà. Donc c'était la pâtée le problème et c'est la whiskas. Donc voilà, il n'en prend plus d'un coup. Mais ces premiers mois avec mon chat m'ont coûté très cher en vétérinaire quand même. Plus de 200 euros. Il a eu ses vaccins au final, hein. Et moi qui voulais faire castrer et pucer, j'ai dit bah ça attendra. Parce que je pouvais pas tout payer d'un coup. Et puis bon, bah, je me suis dit, la castration, on verra. Parce que moi, je veux surtout faire castrer s'il n'est pas propre. Bon, il était propre, mon chat. Donc, j'ai pas de souci avec ça. C'est maintenant qu'il est castré qu'il est plus propre. Allez savoir. Donc, voilà. Il faut savoir qu'il avait pris l'habitude chez nous. Parce que j'ai, enfin, j'estime qu'un animal a quand même le droit, même, enfin, je veux dire. Comme tout être vivant, de vivre, enfin de sortir, de rentrer. Voilà, pour moi, mon chat, je le voulais pas enfermer. Donc je le laissais sortir sur le toit. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, je crois même pas, mon chat est sorti sur le toit parce que mon copain l'a fait sortir. Mon copain ne laisse jamais la fenêtre ouverte. Et ce jour-là, il n'a pas laissé la fenêtre ouverte. Moi, j'étais au travail, j'ai pas pu voir ça. Je suis rentrée 1 heure, 2 heures. 1 heure plus tard. Et bah, la fenêtre était fermée. Et je me suis dit, mon chat est dehors. Et donc, mon chat n'est pas rentré. Ni ce jour-là, ni les suivants. Et là, j'étais au bout de ma vie. Mais tellement au bout de ma vie. Je pleurais non-stop. J'ai perdu 4 kilos. J'espère que Nuage ne mourra jamais. Parce que là, ça va faire un choc quand même. Et il est revenu. Alors en fait, bon. Il est parti pendant 8 jours. Il est revenu le 8e jour très tôt, le matin. Donc en fait, je vous explique que j'avais mis des affiches un peu partout dans la ville, dans le coup. J'avais fait le tour des commerçants. Et un dimanche matin, donc j'avais travaillé le samedi soir jusqu'à 23h. Et le temps que je rentre, il était minuit 30. Minuit 30. Et après, comme moi j'avais pas mangé le soir, j'ai mangé. Donc il était 1h du matin quand j'allais pour me coucher. Et bizarrement, je me dis, bon.
Ce soir, je me couche et je veux absolument rêver de mon chat. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon chat. Parce que j'étais persuadée qu'il lui était arrivé malheur. Donc voilà, et là je reçois un appel. Mais c'était un numéro que je connaissais pas, donc je réponds pas. En me disant 1h du matin quand même. Deuxième appel, toujours le numéro que je connais pas. Bon, tant pis. Troisième appel, je me dis là c'est important, faut que je réponde. Et je réponds. Et c'est... Alors il y avait 10 personnes qui étaient en bas de chez moi. En fait, j'habite sur une place et ils étaient au niveau de la place. Donc il y avait 10, enfin même 15 personnes qui étaient en bas. Et le... ils voyaient un chaton qui miaulait sur un toit. Mais miaulait. Et ils ont alerté un restaurateur et le restaurateur a fait le lien avec mon affiche. Il leur a passé mon numéro de téléphone. Et donc dans le coup, bah, ils me disent c'est peut-être votre chat. Bon, je me mets à la fenêtre et puis je dis bah attendez. Si c'est mon chat, on va vite le savoir. Et j'appelle Nuage. Ah oh, purée. Ah bah là, il m'a répondu. Hein. Là, c'était sûr, c'était mon chat. Et j'ai dit ok, bon bah j'arrive. Nous avons appelé les pompiers qui ne se déplacent plus pour ça, n'est-ce pas hein. Donc ils m'ont un peu cassé les... voilà. Et le gars me répond en plus, non mais alors, au bout de 10 minutes de négociation avec lui, il me dit, bon écoutez mademoiselle, de toute manière... on n'a pas encore trouvé de cadavre de chat sur les toits. Bah alors là, mon gars, et je lui ai répondu, ah bah c'est sûr que si vous y montez pas, vous pouvez pas les voir. Hein. Voilà quoi, il faut être logique à un moment. Bon bref, donc comme ces chers pompiers ne pourront plus me vendre leur calendrier, n'est-ce pas, ne se sont pas déplacés, mon chat, en miaulant, et vu qu'on était quand même pas mal de personnes en bas, on a ameuté tout le voisinage. Et j'ai des voisins, et là franchement, vive la solidarité, et j'ai des voisins qui m'ont apporté des échelles. Les gens, ils sont restés. Pendant 1 heure, on a galéré hein, pour faire descendre mon chat. Les gens, ils sont restés. Ils ont appelé Nuage. Il y en a un qui a voulu monter sur le toit. Enfin, franchement, je remercierai jamais assez ces gens-là. Et donc, Nuage est revenu. Voilà, à 2h du matin, on a réussi à le récupérer. Il est rentré, il a mangé. Enfin, voilà, tout va bien. Il allait très bien. Hein, il avait rien attrapé. Et peu de temps après, finalement, on a découvert qu'il avait attrapé des puces, qu'il avait une otite. Je ne vous raconte pas le veto. Voilà. Donc, et puis, bon, moi, entre-temps, j'avais appelé aussi la SPA pour voir s'il y avait des nouvelles. Et il m'avait dit, ah bah oui, mais c'est obligatoire de faire pucer son chat. Et si on vous l'a donné, fallait que la dame qui vous l'ait donné l'ait déjà fait, en fait, avant vous. Donc, j'ai été retournée au veto. Et je leur ai demandé, alors j'avais pas encore vu les puces, donc je leur ai demandé de le castrer et de le pucer. Ça m'a coûté 100 et quelques euros, je crois. Suffisamment cher, en tout cas. 120, ouais, 120 euros. Ça fait déjà 320 depuis que je l'ai hein, en veto. Après, bah, j'ai vu qu'il avait des puces, donc j'ai été acheter un produit anti-puces. Parce que les colliers Siristo sont ultra chers. Et puis voilà. Et pour son otite, bah, c'est récent, je viens de le voir. Alors, je me demande si c'est vraiment sa visite sur le toit ou si c'est quand il sort dans l'immeuble. Parce qu'on le laisse sortir dans l'immeuble maintenant. Il réclame, donc. Et je me demande si c'est pas ça qui. C'est pas à ce moment-là qu'il a attrapé une otite. Bon, donc dans le coup, on va devoir retourner au veto. Mais là, comment vous dire, ma paye y passe, quoi. Je suis étudiante et babysitter le soir, dans le coup. Le babysitter, ça gagne pas beaucoup, hein, franchement. Et donc là, ma paye y passe, franchement. Mais bon, c'est pour mon chat, donc c'est pas grave. Et puis j'ai mis de côté. Donc voilà, après au niveau des goûts de Nuage, donc hormis ses croquettes, il mange un peu comme nous. Et j'ai découvert que Nuage n'aime pas le poisson. C'est le seul chat qui doit pas aimer le poisson. J'ai essayé le saumon cru là qu'on prend au Nouvel An. J'ai essayé le saumon grillé, non plus. J'ai essayé le tarama, non plus. Le thon, non plus. Par contre, il aime les blancs de poulet, enfin façon jambon, parce que mon copain est musulman, donc on prend du halal et j'adore ce... J'appelle ça jambon. C'est Fleury Michon, la marque qu'on prend, et c'est du blanc de poulet halal, et c'est... Enfin, mon chat adore, voilà. Il adore les meringues, il mange des chips, il adore les olives. Il faut savoir que les chats aiment l'odeur de l'olive. Cette vidéo va être un peu longue, mais bon... il adore les olives. Qu'est-ce qu'il aime d'autre? Bon, il mange un peu tout comme nous. Il aime la soupe. Je prends des soupes Knorr, pardon. Il adore.
Là, je lui ai fait goûter, il adore aussi, les compotes framboise-pomme. Quand je vous dis que mon chat n'aime pas le poisson, c'est-à-dire qu'on lui a acheté deux types de crème pour avaler ses médicaments, donc c'est des crèmes pour chat. Crème avec de la viande, je sais plus quoi, et une autre crème, c'était du poisson dedans. Il a mangé, mais alors vraiment, il raffole de celle à la viande, mais dès que je lui ai mis le truc au poisson, il m'a regardé d'un rire, tu te fous de ma gueule. Voilà, bon, donc il aime vraiment pas le poisson. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je crois que j'ai fait le tour, mais il se peut que j'ai oublié des trucs. En tout cas, voilà, c'était pour revenir un peu sur cette journée un peu particulière pour Nuage que vous ne voyez pas là parce qu'il dort sous mon lit. Et puis, ben voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, puis à bientôt pour une prochaine vidéo.